Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. L'Afrique subsaharienne est peut-être la région la moins performante du monde en ce qui concerne la construction automobile, mais elle possède encore de bons fondamentaux / potentiels. Business Insider Africa a obtenu un rapport récent de Fitch Solutions qui indique que l'Afrique subsaharienne est la région la moins attractive au monde dans notre indice de risque par récompense de production automobile, avec un score de 38,4 sur 100 possible. La région continue pour sous-performer de manière significative la moyenne mondiale de 50,0, ce qui met en évidence les récompenses limitées et les risques étendus présents dans la région. Le rapport a également identifié deux fondamentaux favorables qui présentent une opportunité pour l'Afrique subsaharienne de développer son industrie automobile et de devenir un fabricant solide à long terme. Les fondamentaux sont un faible coût de la main-d'œuvre et des politiques automobiles favorables par les gouvernements de la région. Notre vidéo d'aujourd'hui examinera les 5 pays les plus grands constructeurs automobiles d'Afrique subsaharienne. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. 5. Éthiopie, le pays de la Corne de l'Afrique est arrivé en 5e position sur cette liste. Malheureusement, la guerre en cours dans le pays entrave le potentiel de l'industrie automobile éthiopienne, a déclaré Fitch Solutions. L'Éthiopie bénéficiera désormais d'une nouvelle capacité de production automobile de 10 000 nouveaux véhicules par an, grâce au constructeur automobile Hyundai. L'entreprise sud-coréenne vient en effet d'ouvrir une usine d'assemblage dans le pays est-africain, sa première dans la région. 4. Le Ghana. Avec la mise en service de nouvelles usines d'assemblage automobile au Ghana, la filiale d'Industrial Global Union, le syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce, IQ, intensifie la syndicalisation des travailleurs et travailleuses du secteur. Cette année, des usines Toyota et Volkswagen ont été mises en service, cette dernière devant produire jusqu'à 20 000 véhicules par an. La croissance de secteur automobile est soutenue par les politiques gouvernementales, notamment le programme de développement industriel, qui vise à attirer les grandes entreprises de construction automobile dans le pays. Cette politique vise également à créer des emplois hautement qualifiés dans l'assemblage automobile et la fabrication de composants et de pièces. 3. Kenya. La croissance de l'industrie automobile kényane est stimulée par la politique favorable de l'industrie automobile du pays et une combinaison de main-d'œuvre bon marché et abondante. L'industrie automobile au Kenya est principalement impliquée dans l'assemblage, la vente au détail et la distribution de véhicules à moteur. Il existe un certain nombre de concessionnaires de véhicules automobiles opérant dans le pays. Les concessionnaires établis sont confrontés à une concurrence intense de véhicules d'occasion importés, principalement du Japon et des Émirats Arabes Unis. Un autre problème est qu'il y a plus de demandes de véhicules d'occasion que de véhicules neufs, car le Kenya est généralement un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Ainsi, Mobius Motor a été créé pour fournir des voitures à bas prix à environ 11 000 dollars américains. 2. Le Nigeria. En deuxième position se trouve le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique en termes de PIB. Selon Fitch Solutions, la grande population en âge de conduire des Nigeria reste un attrait majeur pour de nouveaux investissements dans le pays. La marque automobile IVM du Nigeria en est la preuve. Innocent Vehicle Manufacturing, IVM, est une société de fabrication de véhicules made in Nigeria, fondée par Innocent Chukwuma, un homme d'affaires nigérian qui a débuté dans le métier par la réparation de motos. Automobile, fruit du deal avec Joe, la nouvelle usine d'Angot renforce la concurrence au Nigeria avec une capacité initiale d'environ 44 000 véhicules par an. L'usine nouvellement construite par Dangot Joe Automobile Nigeria s'impose sur un marché national d'assemblage automobile relativement peu concurrentiel. Cet investissement d'Aliko Dangot qui faisait encore tout récemment la une avec sa méga raffinerie pétrolière intervient alors que les géants mondiaux de l'automobile s'intéressent fortement au marché africain depuis quelques années. Si les pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Rwanda, le Ghana ou plus récemment la Côte d'Ivoire
ont accueilli d'importants investissements, le Nigeria reste généralement un marché très convoité, mais où la dominance de véhicules importés a souvent freiné la construction automobile. Mais l'actuel dynamisme pourrait davantage donner des idées à l'industrie mondiale. Et ce même si dans la plus grande économie d'Afrique, les entrepreneurs locaux se montrent souvent avant-gardistes, dans les secteurs stratégiques. 1. L'Afrique du Sud, ce pays possède actuellement l'industrie automobile la plus développée d'Afrique subsaharienne, et reste le marché le plus attractif. Le pays compte un ensemble plus diversifié de constructeurs automobiles, ainsi qu'un plus grand nombre de fabricants de composants automobiles. D'autres facteurs tels que les politiques automobiles positives du pays et un paysage concurrentiel favorable ont contribué à la croissance de l'industrie automobile en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un exemple du potentiel de création d'emplois du secteur automobile. Malgré le déclin actuel, l'industrie emploie toujours plus de 112 000 travailleurs, de la fabrication de composants à l'assemblage de véhicules, tandis que plus de 320 000 personnes sont employées au sein de la chaîne de valeur. C'est tout pour aujourd'hui. Nous attendons vos réactions ou commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.